Bonjour ubnprof.fr. Dans cette vidéo, nous allons voir comment augmenter l'autonomie de votre PC. Pour ce faire, vous allez cliquer sur Démarrer, ensuite sur Tous les programmes, et puis vous allez dans Accessoires, et là, vous faites un clic gauche sur Centre de Mobility Windows. Et là, vous voyez, j'ai 48 minutes, donc qui est utilisé à 96%. Là, vous allez dérouler le menu et vous sélectionnez économie d'énergie. Donc, bien évidemment, j'ai un vieux PC, mais voilà, des petits astuces par-ci, par-là, ça peut faire gagner de l'autonomie. Donc, je ferme. On était à 48 minutes. Maintenant, on va vérifier combien j'ai gagné. Donc, toujours tous les programmes, accessoires, centre de mobilité, et là on était tout à l'heure à 48, maintenant je suis à 54. On peut encore diminuer un petit peu la batterie ici, selon, comme j'ai un ordinateur, un ancien ordinateur, du coup je gagne pas assez beaucoup au niveau de la batterie, car j'ai vraiment une batterie que j'avais restituée en fusion, un calibrage de la batterie via le BIOS. Donc c'est une possibilité, ça vous permet d'avoir une bonne autonomie. C'est-à-dire, si votre batterie aujourd'hui se décharge rapidement, vous essayez selon le constructeur. Par exemple, je sais chez Asus, Sony, quand vous démarrez votre ordinateur portable, vous appuyez tout de suite sur la touche SUP ou la touche F2, vous allez dans le BIOS, et là, il faut chercher directement une ligne qui s'appelle calibrage de batterie. Et quand vous allez dans calibrage de batterie, vous allez qu'à suivre les instructions qui s'affichent sur votre écran. À un moment, il va vous demander de mettre de brancher la prise électrique. Vous laissez brancher pendant une nuit. Ensuite, il va vous demander de le débrancher. Vous débranchez la prise, vous laissez jusqu'à ce que l'ordinateur soit déchargé, jusqu'à qu'il s'éteint. Donc cette manipulation, ça permet en fait de faire revivre votre batterie d'ordinateur portable. Et je vous assure, ça marche très bien. J'ai déjà eu un ordinateur portable de marque Asus, celui-ci, que la batterie, j'ai une heure d'autonomie sur celui-là, sachant avant, j'avais la batterie, elle était morte. Donc si je débranche la prise, hop, tout de suite l'ordinateur s'éteint. Avec le système de calibrage de batterie, du coup je gagne une heure. Voilà, donc je vais vous montrer, là on est 53 minutes, voilà, à 92%. Si je suis à 100%, je suis à 1 heure, 1 heure et quart selon la configuration, si j'ai activé le Wi-Fi, le Bluetooth et ainsi de suite. Là, je suis connecté en sans fil, du coup ça diminue. La luminosité, donc je les mets au minimum. Là, j'ai les haut-parleurs, ils sont à fond. Donc voilà, en même temps, je suis en train d'enregistrer. Le processeur, il est en train de tourner à fond. Du coup, j'ai 53 minutes. Alors, dans le cas normal, juste l'utilisation Wi-Fi, je suis à 1 heure et quart. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt sur notre prof.fr pour d'autres astuces. Au revoir.